Tous les signes montrent que le Togo ne peut jamais avancer sous le régime Yacine Bey. Les faits sont là et le témoignent. Ce qui aime accent aigu amène même à faire cet article, c'est accent aigu et ce que j'ai accent aigu est vu hier ici en Allemagne. Puisque la chancelière Angela Merkel est à la fin de son mandat, le président fédéral Frank-Walter Steinmeier a convoqué la chancelière et son équipe gouvernementale au complet en lui remettant un acte de dignité et des accents aigus honneur pour tout son gouvernement et en prononçant une allocution solennelle. Mais ce qui aime accent aigu a frappé, c'est accent aigu et le nombre de ministres de son gouvernement. C'est accent aigu et même le but de cet article. J'ai accent aigu et pris le soin de les compter à plusieurs reprises une fois Chou accent aigu on repasse la cérémonie à la télé, pour être sûr de N accent aigu avoir pas mal compté. Ils sont au nombre de 14 ministres assis et la chancelière elle-même est la 15e. Son ministre des Finances, Olaf Scholz qui sera devenu chancelier aussi est présent. Dans un pays comme L accent aigu Allemagne, le pays le plus peuplé de L accent aigu Union Européenne, la première puissance économique de L accent aigu UE, un État fédéral composé de 16 Länder, ce pays compte seulement 14 ministres alors que dans notre petit pays, le Togo, endetté jusqu'accent aigu au cou, où il est accent aigu y a rien, les ministres depuis 2005 à chaque gouvernement composé, avoisinent 30. Où se trouve le budget pour payer tous ces ministres? Pourquoi ne pas en faire par exemple un seul ministère, le ministère de L accent aigu enseignement supérieur, le ministère de L accent aigu enseignement primaire et secondaire et le ministère de L accent aigu enseignement professionnel et de L accent aigu artisanat. Une seule appellation suffit pour les trois ministères, ministère de L accent aigu éducation nationale et de la formation professionnelle. Le budget alloué pour ces trois différents ministères serait pour un seul grand ministère. Il y a encore des accents aigus autres ministères Chou accent aigu on pourrait regrouper aussi ainsi. Voilà comment on gouverne dans les pays africains et au Togo en particulier. Déjà, ce fait est un frein pour le développement car l'accent aigu argent est mal dépensé. On gaspille seulement le peu des accents aigus argent Chou accent aigu on a pour des futilités, alors que tout manque dans le pays comme par exemple les hôpitaux, les classes des accents aigus écoles dans les endroits reculés du pays. On a abandonné l'accent aigu éducation entre les mains du secteur privé et ça devient un objet du commerce juteux pour les gens où on escroque les parents des accents aigus élèves. Il faut voir la réalité en face. Tant que Yacine Bey est au pouvoir, rien ne va marcher au Togo. Il tue le pays économiquement. Il a endetté le pays jusqu'accent aigu au cou. Qui va payer toute cette dette quand il ne sera plus au pouvoir? La famille Yacine Bey fait trop du mal à ce pays. C'est accent aigu et notre malheur au Togo depuis 1963 alors Chou accent aigu ils ne sont même pas plus intelligents que les autres Togolais pour diriger le pays. Ceux qui disent fort, fort, il est fort en quoi? Appelez-le, président Yacine Bey et non président fort comme on a l'accent aigu habitude de l'accent aigu appelé au Togo. C'est accent aigu et son héritage. Il doit le porter avec le nom. Des accents aigus ailleurs. Pourquoi les gens l'accent aigu appellent seulement par son prénom fort au lieu de l'accent aigu appelé par son nom Yacine Bey? J'ai accent aigu entend seulement fort, fort. Il est fort en quoi? Si le nom Yacine Bey est trop lourd pour lui à porter, il est accent aigu à Chou accent aigu à quitter le pouvoir. Et non pas de jouer le malin. Il ne faut pas que Yacine Bey continue par prendre les Togolais pour des imbéciles. Si certains peuvent l'accent aigu accepter ainsi, ce N accent aigu est pas mon cas, puisqu'accent aigu il N accent aigu est pas plus intelligent que quelque accent aigu un autogo. Du moins, pas plus que moi. Je ne suis pas un togolais imbécile. Il N accent aigu à Chou accent aigu à aller se renseigner à Atakame chez mes anciens camarades avec qui j'ai accent aigu et fait l'accent aigu école primaire publique de Midoudou de 1971 à 1977 en leur demandant S accent aigu ils connaissaient Akodaya Ovi. Ils lui diront quel type des accents aigus élève j'ai accent aigu était. J'ai accent aigu était toujours premier de ma classe, de CP1 jusqu'accent aigu au CM2 alors que je suis venu du village, des parents villageois qui ne savaient ni lire, ni écrire et dans mes classes il y avait pourtant des enfants dont les parents étaient des intellectuels, des professeurs, des commerçants, des pharmaciens et autres. Je n accent aigu avait Chou accent aigu une seule obsession, être premier de ma classe, être le meilleur. Même au collège N.D.AD accent aigu Atakame, les deux ans que j'ai accent aigu est passé là en 6e et 5e, j'ai accent aigu était aussi le premier de mes classes pendant les examens trimestriels et ceux de la fin des accent aigu année.
Il y avait même parmi nous en classe de sixième, un petit blanc, un français S accent aigu appelant Roland dont le papa était un cadre français, expatrié à L accent aigu usine de Datcha. Roland ne valait rien en sixième surtout en dictée, pourtant la langue française est sa langue maternelle. Fort Niacine BN accent aigu à Chou accent aigu à aller se renseigner ou S accent aigu enquêter dans ce collège sur moi chez la religieuse, sur Justine Vauvor, notre responsable de L accent aigu époque en sixième qui est maintenant à la retraite. Elle est encore en vie. Donc, il ne faut pas que Fort Niacine B prenne les Togolais pour des imbéciles. Moi, je ne suis pas un imbécile. Je suis plus intelligent que lui. Est Chou accent aigu il a occupé au moins une fois le premier rang dans une classe, durant tout son parcours scolaire. Donc, S accent aigu il est président, ce N accent aigu est pas parce Chou accent aigu il est le plus intelligent des Togolais mais C accent aigu est parce que son papa a été tout simplement président et après sa mort, on L accent aigu a imposé aux Togolais comme président. S accent aigu il porte le prénom fort, cela ne veut pas dire Chou accent aigu il est plus fort que tous les Togolais. Fort en quoi? En argent qui appartient au pays et Chou accent aigu il S accent aigu accapare avec sa minorité pieuse. Si moi, je le respecte, ce N accent aigu est pas lui-même que je respecte mais le titre Chou accent aigu il a en tant président de la République que je respecte et C accent aigu est normal. C accent aigu et ce respect que J accent aigu est pour lui. C'est accent aigu et tout. Par conséquent, il ne peut pas mieux diriger le pays que quiconque. Il ne faut pas Chou accent aigu il se prenne pour ce Chou accent aigu il N accent aigu et pas. Face à lui, moi, je N accent aigu et aucun complexe. Il a étudié en Europe en tant Chou accent aigu enfant du président avec L accent aigu argent du pays. Moi, J accent aigu et aussi étudié en Europe comme lui, mais en tant Chou accent aigu enfant du paysan avec mes propres moyens et L accent aigu aide financière de ma femme allemande. Honneur à L accent aigu Allemagne. C accent aigu est L accent aigu argent du pays qui L accent aigu a nourri depuis le ventre de sa maman, jusqu'accent aigu à présent sans lequel il ne serait pas ce Chou accent aigu il est toujours accent aigu lui. Il doit du respect aux Togolais car c'est accent aigu et L accent aigu argent des Togolais qui L accent aigu a fabriqué. Moi, ce N accent aigu est pas le cas. Il N accent aigu a pas le courage que J accent aigu et pour réussir. Je me suis battu moi-même pour arriver là où je suis arrivé avec L accent aigu aide financière de ma femme allemande. Dans ma vie, je ne connais pas ce Chou accent aigu on appelle la bourse scolaire ou universitaire. Donc, c'est accent aigu et ça la différence entre lui et moi. Je N accent aigu et aucun complexe face à Fort Niacine B. C'est accent aigu et la seule chose qui fait la différence entre lui et moi. Si c'est accent aigu et par L accent aigu intelligence, je le dépasse. Ce Chou accent aigu il a fait dans 16 ans à la tête du pays, si moi, J accent aigu était à sa place, à la tête de ce pays pour cette même période, on N accent aigu allait plus reconnaître le Togo. Ce serait avec des trains ou un grand boulevard à plusieurs rues pour aller à Dapa ONG. Il faut Chou accent aigu on lui dise la vérité. Il N accent aigu a rien fait pour ce pays. Son papa et lui sont au malheur au Togo depuis 1963 jusqu'accent aigu à ce jour. Si le nom Niacine B est trop lourd pour lui à porter, il N accent aigu à Chou accent aigu a quitté le pouvoir. On N accent aigu appelle pas un président par son prénom mais par son nom. Dans aucun pays, il N accent aigu y a cette habitude ou pratique. Mais, vu que le père a déjà régné pendant 38 ans et le fils a été aussi intronisé, il ne voudrait pas que ce nom lui colle la peau. Il a réussi à imposer L accent aigu appellation fort au Togolais, qui L accent aigu appelle fort au lieu de Niacine B. De la même manière Chou accent aigu il a changé RPT en unir, il a réussi aussi à se faire appeler fort et non Niacine B. Cessez de L accent aigu appeler fort. Appelez-le, président Niacine B et non président fort. Au Gabon on dit Ali Bongo. On ne dit pas Ali. Pourtant Bongo père a dirigé aussi le Gabon. Les Togolais c'est accent aigu et comme des moutons. Ils vont seulement là où les dirigent. Fort Niacine B les manipule seulement. Mais jusqu'accent aigu où?